seconde journée de la DMA 2015, qui s'appelle désormais NZEN, vient de se terminer à Boston et ça a été une journée riche en contenu. Et en émotions également. On va partager tout cela avec vous dès à présent. Et on a même réussi à vous trouver une vidéo de chat. Jusqu'à présent, le marketing relationnel utilisait des canaux directs comme le SMS, le courrier et bien sûr l'email. Le display commence à compléter ce dispositif avec l'arrivée de deux nouvelles briques technologiques. D'un côté, la programmatique et la capacité de cibler des bannières vers des individus très précisément sélectionnés. Et puis la création en temps réel de bannières personnalisées en fonction des caractéristiques des personnes ciblées. Personnalisation du contenu, personnalisation de l'emplacement, personnalisation du ciblage, personnalisation du message, ça commence réellement à ressembler à du marketing relationnel. Cela rajoute donc un levier au programme de marketing relationnel pour les entreprises qui sont capables de disposer de cet écosystème. Force est de constater qu'aujourd'hui ce sont plutôt des grands groupes, mais tous les éditeurs, et Google en particulier, cherchent à développer ces nouveaux usages vers les petites entreprises, une affaire à suivre donc. Cet après-midi, nous avons assisté à la présentation de Kevin Roberts, le patron de l'agence Saatchi & Saatchi. Pendant 3 quarts d'heure, Kevin nous a fait un vrai show, un beau show, avec de belles photos, des verbatims prêts à l'emploi et surtout des vidéos pleines d'émotions. De sa larme et me rendit. L'amour, c'est le soufflet qui me fait respirer à nouveau. Pour les autres, cela peut sembler étrange, mais ce que je le fais par amour. C'est étrange, mais l'amour a sa propre anesthésie. Les pires de l'enfer sont consommés par sa flamme. C'est l'amour qui brûle derrière les yeux de cet homme. L'amour. La forme du discours était donc très bien, il y avait de la forme, il y avait du fond aussi, et le grand patron de la communication a voulu nous faire passer le message suivant. La data ne doit pas supplanter l'émotion, il nous a même rappelé que 80% de nos décisions étaient guidées par nos émotions. Aujourd'hui, le risque pour lui est clair. Le Chief Marketing Officer ne doit pas devenir le Chief Metrics Officer, mais il doit être un Chief Magic Officer. John Matchis du Nasdaq est expert en production de contenu pour les réseaux sociaux. À partager avec nous ce matin les 10 applications indispensables à avoir sur votre mobile. Muriel vous a trouvé une vidéo de chat, je vous ai trouvé une vidéo d'écureuil. On est à Boston, Boston c'est les écureuils. Demain, dernier jour de la DMA NZEN 2015, il nous attend une centaine de conférences plutôt opérationnelles, 2 keynotes, dont une de John Legend, une légende aux États-Unis. À demain!